Bonjour frère Maxime, comment nous sommes? C'est GFL Cuisine Créole, Jean-Fé Dolendi, votre chef à la maison qui rentre à la caille, nous dit nous merci. Merci pour confiance, nous merci pour fidélité, nous et merci pour bouche à l'oreille, nous continuons à faire pour moi, pour chaîne. Jodi à la mboile préparer pour nous une cuisse de poulet bourrée avec pommes de terre et banane plantain. Je vais tout profiter de l'occasion pour me saluer quatre super membres de GFL Cuisine Créole. C'est Marie-Mathsuli, Marie-MC, Régine Toussaint et Teddy Clermont. Moi, dis-nous merci parce que nous abonnés sur la chaîne pour 2-3 dollars par mois. Moi, dis-nous grand merci pour l'encouragement. Si vous-même, tout ou t'en aimez, aidez-moi à encourager. Ou à venir aller en bas, chaîne, sous côté où vous abonné, ou à petit côté où vous adhéré ou subscribe. Ou venez qu'est-ce que là-dessus avec un carte de crédit pour 2,99$ ou 3,99$. Moi, dis-nous grand merci pour l'encouragement. Mais cuis ça là. Il lave déjà. Moi, je vais retirer zo ça. On zo qui prend dans mi temps rel d'eau poulet, mais gen blay qui pa gen. Si blay y a pa gen, c'est tant mieux. Moi même ça gen, moi plan en ville. Et ni, moi tire zo là, regarde. Même devant là mes poids avec tout flan qui rete là, qui met tout. Quand on va retirer zo ça qui dans plein centre là. Je fais une incision dans le temblaïa. Je vais une jointure qui est là avec la cuisse. Je vais passer en arrière dans l'os là. Je vais tirer ça. Coller dans le zoa. Ça, même c'est zo haute cuisse de poulet. Je vais faire une jointure de pilon. Ça, nous même Haïti, nous avons des cuisses là, mais c'est des pilons. Je vais faire une jointure, je n'ai pas besoin de vous marvel. Je vais juste enlever. Et voilà. Je retire les os au cuisse. Quand on a vraiment ça, c'est le petit gras qui flan. Je enlever le surplus de gras. Le surplus. Même kembe flan. Ça veut dire ça côté kembe gras dedans. Je kembe tout. Et puis, je vais là. Je ça là. Quand on a cela, je vais le farci avec yam ou bien banane ou bien pomme de terre. Ça qu'on gagne à la main. Je fin faire primer ça. On va continuer à faire l'autre. Et puis après ça, nous allons venir sur nous pour nous faire facile, pour nous fourrer. Je vais venir avec tout ça que je vais faire là pour nous. Là. Même bien code ça là même là. C'est un code de boucherie. Je vais faire un nez d'abord. Tout le monde qui va comprendre comment pour nous faire ça, je vais faire cours de boucherie déjà. Juste marqué JFL, cuisine créole, cours de boucherie numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tout à monter devant nous. Je vais faire un nez dans le code là. Je vais faire ça. Moi qui ton branche un petit genre long là-dedans on branche me quitter nous voir pour qui ça j'aime faire néa pour me faire néa pour que moi qu'à tirer sur lui pour moi faire fin petit ou bien pour mélanger aussi après ça nous voir pour qui ça né ça là moi mettre le de côté mais tout ça me va servir gain sel poivre et puis gain ouais puis ça relé cajun pour une fois m'utiliser cajun mais on va venir dans maquette on prend une cuisse de poulet on blaye quand y a là venir avec ça me va mettre là dans l'eau. Si me gagne yam, m'ta fait yam dans même genre. Si me gagne mazombel, m'ta fait le même genre, mais c'est pomme de terre avec banane moi là. Jean ouais petit pomme de terre ça belle là, c'est moi qui fait. Il relé pomme de terre château. Soit le tape JFL cuisine créole cours numéro 3, ou va joindre côté que moi montrer nous comment pour nous faire pomme de terre château. Avant que pour me déposer pomme de terre château dans cuisse de poulet pour me fourrer les pour me faciliter avec, je vais assaisonner. Pour m'assaisonner, je prends sel, je mets à l'intérieur. Je prends poivre, je mets à l'intérieur. Finalement, je mets cajun. Je dépose pomme de terre château à l'intérieur, pomme de terre maintenant. Et je mets un petit poivre aussi. Quand on a la enroulé, haute cuisse de poulet, pomme café, cuisse de poulet, facile avec pomme de terre. Je prends ça moins. Je dépose le plus petit avant et puis je mets le plus gros ici, je roule. Lorsque je finis de rouler, je vais le virer comme une ça devant moi. Maintenant, on a la même ça, c'est reproduit cuisse de poulet encore. Je vais reproduire cuisse de poulet encore là. Nous changeons le code de l'âme de fer. Je mets le rentre là-dedans. Je vais le tirer, je vais le serrer pas trop. Et voilà. Une fois que moi bien tiré dans cuisse ça qu'on a moins glissé l'autre partie code là moi mettez li moi passer ça par en bas li
Parce que c'est lui qui peut soutenir Boussa pour moi. Une fois qu'il fait nuit, qu'on a coupé lui, et voilà, c'est fait. Qu'on a qui ça me fait? Moi, mets un petit goût de sel dessus, moi, ça assaisonne lui. Et qu'on a là, mets un petit poivre sous lui. Qu'on a là, moi, mets un petit cajun sous lui. Et voilà. Mes plateaux, ça, moi, le mettre là-dedans. Moi, pas besoin de mettre graisse, moi, pas besoin de mettre papier. Parce que style de plateau, sa façon de faire là, il n'est pas collé là-dedans. Moi, je vais me déposer le face en bas. Mais ni, mes il y a une pomme de terre en dedans, tout, et puis après ça, je vais continuer à faire tout le reste, et puis je vais mettre l'info, je vais montrer. Et voilà, bien assaisonné, en bas, ou bien marré tout, parce qu'il faut qu'il y ait en bas bien marré pour ne pas défaire. Quand on a la moins, je vais mettre le format 360. Une fois atteindre 360, je vais mettre l'info pendant une heure. Et après une heure, je vais sortir pour nous ouvrir, et puis je vais faire une petite présentation avec elle pour nous. Maintenant, après une temps, c'est pas fait. Quand on a là, on va quitter le fond, refroidi. On va retirer le film, on ne fait rien. On va faire un petit légume d'accompagnement avec elle pour nous. Même venu avec poulet ou là qu'on a mal retiré ti col yo. Meni, on fini retirer youn là. Moi mis ton petit salade là, venu avec quelques petites tomates là, moi arrangé. Qu'on a là moi venu avec l'autre si gombo me fait chaud yo. On déposer là. On déposer petit caramel là sous lui. C'est bien sirupeux, c'est ça qu'on caramel. Qu'on a là, moi pas le couper poulet yo avec toute pomme de terre. Et banane nandan, nous allons voir ça, ça dit. Qu'on a là, on va faire une petite tranche là-dedans pour moi déposer. Waouh, résultat final là. Meni, regarde-moi ça, c'est vraiment beau. Vous mettez ça à la mi-temps tabou là, vous avez un repas complet. Il y a une petite salade tomate et puis gombo. En dedans pour les regarde. Ça m'a fait pour nous là, pour juste pour nous goûter. Viande bien juteuse, tout est parfait, tout est excellent. C'est très bon. C'est un délice. Banane vient avec l'autre goût comme si c'est un banane fumée. Banane est spécialement vient avec l'autre goût. C'est parfait, c'est excellent. Nous mettons un petit manger comme ça sur table, ça c'est pour 4 personnes. On a souvent on va mettre un petit sauce mais il pas nécessaire parce qu'il vient tellement juteuse et puis avec gombo à tout avec petit caramel, avec petit oignon caramélisé là-dessus avec tout petit goût de là, petit rhum là pour un petit parfum là-dedans, c'est vraiment pas parfait. Pas oublier de partager la vidéo pour moi. Hein? C'était JFL Cuisine Créole. Jean Fédolin dit votre chef à la maison qui est là. Merci. Au revoir.